Sonora Jamouillante. Sonora Jamouillante. Pour la sonorisation de vos soirées, fêtes de mariage, anniversaire, retrait de deuil, bal dansant, la solution c'est Sonora Jamouillante. Sonora Jamouillante. Avec une puissance efficace, à partir de 1000 à 8000 watts, contactez Sonora Jamouillante au 06 24 82 54 80. Sonora Jamouillante. Sonora Jamouillante vous propose un répertoire de musique variée. Rajamouillante. La solution pour vos fêtes, c'est le 06 24 82 54 80 ou 01 39 14 50 04. Sonora Jamouyanzi. Kisalu na kisalu. Sonora Jamouyanzi. À partir de 1000 à 8000 watts, la puissance à votre service. Un son bien raffiné et une bonne animation. Sonora Jamouyanzi. Kisalu na kisalu. Qui a les droits et qui est cette personne qui peut dire sur ma spiritualité et dire quelque chose sur Oyo appartenance y a place Oyo ngana en croire to ya nzambo ngana en croire. Je suis sur une très bonne voie. La communication avec Dieu, c'est faire le bien, éviter le mal automatiquement. Donc c'est à dire que il faut même pas croire à des charlatans qui sont là uniquement pour n'abat dévier bino et bat décourager les gens qui veulent faire du bien en République démocratique du Congo pour les autres. Ado, vous n'allez pas les décourager, il ne sera pas là dans des bêtises. Je vous dis merci, voilà pourquoi je dis toujours un grand merci au PDG Richard Kabala. Il est toujours avec moi, ils sont toujours là pour soutenir. Vous pouvez dire Bossali ou Bossalawana. Si Dieu élève une personne,
si sa nation, si la diaspora, oyoba sepeli ke abdozalawana. Jamais au groupe Moura Bendividi, Yabani Boulkabo détruire ce que la diaspora a construit et pas y a ado oyo. Oyo quand même ou ba Congolais, ou ba Olinga quand même et pas ado. Tu es libre d'aimer ou de ne pas aimer, mais laisse bato ba Olinga, ba Olinga kaka émission oyo. Papa.
13 mois là. Sorti des sondes, je me rappelais plus. Enfin, voilà. Merci. Mais oui, mais je voulais faire un petit mix entre, bah, c'est légendes urbaines, c'est donc des bien. Sons de bras, mais tes sons à toi, ouais. En fait, parce que t'es chanteuse. Oui. T'es une vraie musicienne. Ouais. On va en parler. On va en parler. Mais tu connais un peu le rituel. On repart sur tes débuts, avant de parler justement du Casino de Paris, ouais. De ta tournée, de toute ton actualité. On va revenir sur, voilà, ton vraiment tes débuts, t'as grandi dans le 78 en banlieue parisienne, ouais. Dans les Yvelines, à Maurepas. Tout à fait. Précisément. Ouais. Tu étudies le piano durant 8 ans au conservatoire, âme ouais. d'artiste. À quel âge, vraiment, parce que t'as fait 8 ans de conservatoire, à quel âge tu commences vraiment le piano ? Je commence le piano à 6 ans ou 7 ans. Ouais. Ouais. J'en fais pendant 8 ans.
Et j'ai un niveau aujourd'hui qui est pitoyable par rapport au nombre d'années où j'ai étudié le piano. Et en vrai, j'ai un peu lâché aussi parce que je crois que je suis un peu une flemmarde et que dès que j'ai un peu des compétences dans un truc, je m'auto-suffis. Je dis « Oh, c'est cool comme ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin ». Donc ouais, j'ai pas persévéré, j'aurais peut-être dû. J'ai pas de regrets, enfin j'en ai quand même quelques-uns, bien sûr, j'ai quand même quelques regrets. Mais ce niveau pitoyable me permet quand même de jouer. Niveau pitoyable. T'es quand même en train de parler à une majorité de gens qui savent à peine jouer Lettre à Élise avec un doigt sur bien un sûr, bon tempi, tu vois. Bien sûr, mais moi j'ai fait 8 ans de piano. C'est vrai. Ouais, Sofiane Pamar, si tu nous entends. Je te défonce. Sofiane, c'est marrant, t'es très second degré, voire 18e degré. Ouais. Et c'est vrai que j'ai du mal à t'imaginer chanter du R&B ou de la chanson très premier degré. Ouais, bien sûr, je comprends. Je comprends. Et je sais même pas si... Enfin, j'allais dire, je sais pas si je pourrais le faire maintenant que j'ai embrayé dans l'humour. J'ai pas de frustration aujourd'hui à pas le faire. Mais si demain j'ai envie de le faire, je le ferai, ouais. Ouais. Mais j'ai un vrai amour de l'écriture. Mm-hmm. Et je pense que aussi ça peut se voir dans le spectacle. Bien sûr. J'ai les vannes, elles sont archi travaillées. Après, il y a de l'impro, tu vois. Mais j'ai cet amour de l'écriture. Et du coup, dans la musique, j'adore faire des top lines, créer des mélodies, mettre des mots dessus. Et je trouve que tout ça se rejoint. Et quand le spectacle est né, et ben, j'ai mis tous ces trucs-là dans un seul truc. Je me suis dit, putain, je chante, c'est gaulerie, j'écris, c'est vrai. Je joue. Et il y a tout ce que j'aime faire dans ce spectacle. Tu parlais tout à l'heure d'Issa Doumbia. Bien évidemment, mais bien évidemment, on a demandé à Issa de te poser une question. C'est pas... Tu sais, on enfonce une porte ouverte, c'est même plus une surprise. Évidemment. Merci Issa, mais c'est la famille, on fait l'émission ensemble, de près, de loin. Laurie, je suis avec Juliette. J'espère que tu vas lui raconter ta passion pour les avions. Franchement, ça me ferait plaisir que tu lui racontes. Tu as un petit bisou de Lady Di. Je t'embrasse. Allez, on se retrouve à la mélodie. Quel bâtard! C'est un bâtard. Trop punchline. Bon, la mélodie, c'est du côté de Trap, c'est la ça? La mélodie, c'est une boîte de nuit, ouais. Mmh. Et donc, quand il me demande ma passion sur les avions, c'est un Et les Didi, il y a l'avion, il y a les Didi. Moi, j'ai pas compris. Merci Issa, merci encore une fois. Alors, Issa. Salut tonton, tonton Marco. Je vais terminer le dossier d'Issa. C'est comme mon daron, en vrai, dans le garage, il construisait des avions. Et un jour. Comment ça, il construisait des avions? Arrêtez, commencez pas à couper les dents. Non, justement, il travaille pour la NASA. C'est quoi? Je comprends pas. Sa passion, c'était le modélisme. Donc, il faisait des avions en miniature, tu vois. Et genre, chacun son hobby. Un jour, ils sont venus chez moi avec mon coach d'impro. Et moi, j'essaie de cacher le bail, tu vois. Je dis, voilà, ça, c'est terminé. Il voit ça, c'est mort. Je me fais vanner jusqu'à la fin des temps. Évidemment, Issa est rentré dans le garage. Il est tombé sur les avions, sur mon daron et ses lunettes. C'était terminé. Sauf que un jour, je suis au bureau et mon coach, Nono, que j'embrasse très fort, il me dit, tiens, il faut que j'aille voir la maman d'Issa. Tu veux venir avec moi? Évidemment! Et je suis partie chez Issa. Et chez Issa, sur le buffet, la maman d'Issa, que j'embrasse très fort, elle avait plein de taufes de tout le monde. Issa Petit, son frère, sa sœur et les Didi. Donc chez la maman d'Issa, il y avait les Didi dans un cadre. Je dis, allez, c'est bon. Tu parles d'improvisation. Qu'est-ce que l'improvisation t'a... appris? C'est devenu une drogue, en fait. C'est une véritable discipline. Mm-hmm. T'as des ateliers dans lesquels on t'apprend vraiment des techniques pour réussir une impro. Par exemple, t'as pas le droit de dire non, tu dois toujours faire avancer l'histoire, accepter la proposition de l'autre. Et c'est surtout une discipline qui a des valeurs citoyennes incroyables. T'es dans l'écoute de l'autre, tu dois absolument... En fait, il y a des fautes, il y a des règles. Tu vois, il y a des matchs avec des points. Donc, t'as un arbitre qui siffle des fautes. Et par exemple, tu n'as, ce que je te disais, t'as pas le droit de dire non. Mm-hmm. Donc, on rentre, on a un thème, t'as une équipe en face. Le thème est le verre d'eau. Pouf, ça rentre, t'as 30 secondes pour réfléchir. Et l'autre, il te dit, tiens, viens avec moi, on va acheter du pain. Toi, t'as pas le droit de dire non. Donc, il doit t'amener dans son histoire. Mais toi, t'as eu un brief. Tes potes, ils t'ont dit, alors toi, ton histoire, c'est ça. Donc toi, t'essayes de l'amener dans la tienne, lui, il essaye de t'emmener dans la sienne. Personne n'a le droit de dire non à l'autre, mais finalement, avec un système d'écoute, vous allez construire un nouveau truc. Tu dis que t'es pas trash, mais t'es hyper trash, hyper vrai, hyper juste, mais hyper trash, parce que la vérité est trash en réalité. Bien sûr. Mais il y a des moments où t'as honte, où t'assumes pas. Ben, en fait, moi, ce que je trouve plutôt cool, c'est que...
pour le coup, donc mon spectacle, il parle de la maternité. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et toutes les meufs, quand on devient maman, on a affaire à cette maman modèle qui est justement un petit peu comme ça. Desperate Housewife. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai essayé un peu, tu vois, c'est un peu ce perso-là, mais cassos. Elle n'arrive pas, la meuf. Et je trouve ça infiniment plus intéressant que d'arriver en moi, finalement. Mm-hmm. C'est moi, mais dans cette meuf-là. Non, mais c'est de la dissociation. En plus, c'est plus simple pour toi de dire ces trucs-là. Évidemment. Ouais. Évidemment, je dis, parce que tout est inspiré d'eux, mais il n'y a pas de vraie vérité. Enfin, chacun, il va y trouver sa vérité, puisque c'est des thèmes... l'accouchement... Non, mais c'est universel. C'est-à-dire que même les mecs sont là, en fait. C'est pas un spectacle. Enfin, tu vois, t'es suivi par des nanas, mais t'es suivi aussi par... plein de c'est mecs. C'est ma grande victoire, c'est que ouais. Quand tu me vois, tu vois ce que je vends un peu, tu te dis, ouais, spectacle de meufs, ça va faire que chanter. Et en vrai, moi, du coup, c'est les meufs qui sont prescriptrices du déclencheuse du ticket, mais elles tirent leur mec et les mecs... Et les mecs pleurent de rire. Et les mecs, ils sont ravis. Casino de Paris, ça y est, tu reprends la tournée. Ouais. Là, il y a le confinement, tout ça, vidéo internet, le bouquin, voilà. Le truc, ça y est, tu reprends la route. Absolument. Qu'est-ce que tu prépares? Écoute, je veux en fait ce spectacle, évidemment qu'il a vieilli dans ma tête parce qu'il y a un an, on a mangé un an de confinement, je chante mon accouchement, ma fille elle va avoir 8 ans. Donc j'ai envie de terminer ce spectacle, mais de le terminer comme je l'avais pensé dès le début, tu vois. Donc j'ai vraiment envie de le faire évoluer, de faire un vrai beau casino, de terminer une vraie belle tournée. Et après, pourquoi pas, si Dieu veut, un deuxième spectacle. Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier, quel serait ton message universel? Quoi qu'il arrive pour ce jour, prenez la vie du bon côté. C'est mon leitmotiv. Merci Juliette, merci beaucoup. Merci et bravo à toi. Non, c'est un bonheur. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission dans laquelle on s'est dit plein de choses avec Laurie. Et puis en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Laurie. Merci ma Juliette. On merci ensemble. Beaucoup. Yes. Maître John, les leaders, pour eux qui m'a pété à tendance, hein. Le prince Albert Lumila, Inverti Bangani, Café Coton. Freddy Lusambolo, l'ingénieur. José et Sam, couture. Toi, tu savais des fidélités. Chiqui de Moucha Gino. Louis et Nema, intellectuel et à papa. Serge Mefa. Fiston, John Cathy, et le
petite sécurité. La poêlée. La maladie de Kenya, salon de coiffure HR et loge Maïla, la gare du Nord. Ok, ben on a continué de dire on est loge Maïla, salon HR. Xterpa. Voilà, l'intimidateur. Sans montrer. Alors donc, beaucoup tu crois à Lille, mais content, et du coup, toi, tu t'es retrouvé de quel côté, dans le sens où bateau Oyo, vous allez pour le courant passé, pendant le voyage, donc il y avait toi et Quentin, Régis, et qui encore? Pinochet. Et qui encore? Et ça, c'est pas ça qui est belé. Tu vas révéler haut et haut. Oui. Courant les alors pour passer. Oui. Mais lorsque dans le temps, on commet pointe noire. Oui. Nani, à cela qui liste le problème de la liste. Nani, à cela qui liste.
Non, mais liste, il y a qui. Liste, on a le couteau. C'est même pas important parce que groupe est confié déjà. Oui, mais groupe est confié voilà, déjà. Groupe est confié déjà. Mais pour se prononcer, puisqu'il fallait qu'on se prononcer, c'est-à-dire. Non, pour se prononcer, c'était groupe est confié. C'est-à-dire groupe est confié, mais on enfant. Donc, groupe est confié, c'est vrai. Mais groupe, c'est confié. Mais groupe est confié dans le voyage, on a cassé. Dès que je explique. Groupe est confié dans le voyage. Est-ce qu'ils ont été réellement au coup ou bien ils ont été incompréhensibles, s'installer et le temps à mon ben c'est ce que j'explique. Justement. Tout ça, les réunions. Et ceux qui ont queue de poisson, attention, et Mati, tout ça, en temps normal. Donc, excusez-moi, je reviens ouais. Là. Ben, problème, on a tout, tous ces problèmes-là. Et qu'il y a là, parce que vous êtes mécontents, dans un bon groupe, parce que c'était à Libreville. Ou bien il y a eu un autre problème où ils ont comme ça avec eux, ils ont tant de son groupe bien tifou, bien nouveau réglant. Bon, à part le problème, il y a certainement il y avait aussi. Ou bien c'est ton problème à toi, Djuré Lumba, le problème d'argent de Djuré Lumba, qui a influencé tout le groupe, que le groupe est qui vient vite, dans ce là. Mais effectivement, Djuré Lumba et tout le bas, c'est parmi. Les trois amis inséparables. Okay. Donc, du coup, quand Durel Lema a vu les Camerounais, oui. La minute où il faut. Ça affectait d'autres personnes. Bah, on sentira qu'il y a une ingane. Ok, mais donc. Mais aussi, c'est ce que je dis, que y a qui, à part le problème, il y avait aussi une Makamoussou, et Amikia, bon. Il était peut-être le temps, il y a qu'au fond, il y a qu'au solo, il y a qu'au bon sens. Ok, mais vous m'avez cité. Vous m'avez cité. Vous m'avez dit groupe, vous m'avez pointé noir. Vous m'avez dit à gauche, vous m'avez dit à droite. Maintenant, Djuré Lumba, est-ce que vous avez dit que vous avez eu à faire du mal, vraiment, aux Congolais de Braderie? Parce qu'il y a eu des gens qui ont cru en vous. Il y en a pas de voir l'ingabino, parce que vous avez été ambassadeur. Et en Boca, ça fait du mal à beaucoup de gens. Est-ce que vous avez un retour à certaines personnes, pourquoi vous avez fait ça? Est-ce qu'il y avait eu des autorités, un beau cannabis, un grand, pour soutenir Bino, tenter qui, pour que, bon que ça. Effectivement, c'est ce que je suis en train de repréciser encore, ouais. Que le but, ce n'était pas Yabou Kabona. Okay. Ça dit Yabou. Enfin, personnellement, hein, personnellement, parce que je fais partie des fondateurs. Okay. Voilà, des têtes les plus chères. Et extra musical. Mm. Voilà. Donc, la cause n'a jamais la but, il y a qu'au tassé ou bien il y a qu'au boma ou bien je ne sais pas comment. Ça veut dire que lorsqu'un problème pareil arrive en temps normal, nous avons un grand, un comité de soutien, un voilà, le coronavirus, sont plus âgés que nous. Mais on n'a vu personne. 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 Naï. Personnellement, là où je suis assise, je le reprécise. Vous êtes un à tout l'attention. Le monde, je le redis encore à tout le monde que j'ai reçu la visite de personne. Ouais, pour faire une tentative. Voilà, de venir, voilà, de vouloir réconcilier tout ça, machin. Même Véroza qui vient d'Abissou Ferreur d'Assakis, à Salamouti, je n'ai pas vu Ferreur s'approcher vers moi, me demander le fisc, mais Durel. Oh, il y a quel pagaille, vous, Salamouti. Pourquoi vous faites ça? Je n'ai pas vu Ferreur venir vers moi, par exemple. Ça, c'est un exemple. Ok, c'est bon. Donc, ce qu'on dit bien de l'autre côté, ça a arrangé peut-être d'autres personnes et ils en ont profité de cette situation-là. Voilà, ben, on va quitter Voli Extra Musica. Voli Extra Musica pour aller Extra Musica. Mais ça fait l'histoire. Hein. Non, ça fait l'histoire. Non, mais ça fait partie de l'histoire. Et à ton information, pour ton information, oui. Durant le mal depuis 2008, oui. J'avais décidé de ne plus faire la musique des conflits, de ne plus être en conflit avec les amis. Bon, c'est vrai que l'air, la situation avec QRS, c'était. Ouais, c'était une tension. Voilà. Ouais. Mais la formule-là, en tout cas. Avec tout le monde que toi sur la thé, ou en tout cas là. C'est la grande équipe.
Ma
Bob, Okelo na Toronto.